enchanteresse nommée Agathe. Elle avait le pouvoir de lire dans le cœur des gens grâce à des mots enchantés. Passant de ville en ville, elle vit la vraie nature des gens qui n'étaient envoûtés que par sa beauté. Devant toutes ces hypocrisies, elle décida de se métamorphoser en vieille dame. Suite à ce changement, le visage des hommes se transforma en dégoût et elle se fit rejeter. Un soir d'hiver, voulant s'arrêter d'une tempête de neige, l'enchanteresse frappa aux portes d'un château. Elle avait dans l'idée d'offrir les deux cigoses en échange d'un allié contre le froid qui faisait mal. Le prince ouvrit la porte et fut révulsé par la gueule de la vieille dame. Et ricana de ce mauvais présent et la chassa. Elle tenta de lui faire entendre de ne pas se fier aux apparences et que la vraie beauté venait du cœur. Lorsqu'il la repoussa pour la seconde fois, l'enchanteresse fit tomber son masque pour révéler son vrai visage. Le prince essayait de se le pardonner, mais il était trop tard qu'elle ait vu la noirceur de son cœur, qui ne jugeait que par les apparences. En punition, elle décida de le transformer en une bête hideuse et jeta une malédiction sur le château et tous ses habitants. La rose qui lui avait offerte était une orange enchantée qui ne se flétrirait que le jour de son 21e anniversaire. Et vous posez peut-être la question de qui était cette enchanteresse. Eh bien, c'était moi. Voilà, magnifique. Merci beaucoup.